Oh là 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 là. Oui, j'ai mis une chemise. On est en pleine canicule aujourd'hui. Je suis de l'arrêt. Enfin, on dirait Carlos, le chanteur, là. J'avais trop hâte de découvrir vos colis. J'aimerais vous parler d'un partenariat qui me tient à cœur, Typologie. On va être totalement transparent avec vous. Ils m'ont contacté et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai des problèmes de pellicule. Si jamais ça marche, je suis satisfait. Let's go, Shogun the Night. On peut collaborer ensemble. Et ça a marché. Donc, je vais vous donner ma routine. Moi, c'est pour pellicule grasse, mais j'expliquerai aussi pour ceux qui ont des pellicules sèches. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des produits pour la peau que je vais tester très prochainement, et si ça me plaît, je vous en parlerai. Je fais un exfoliant cuir chevelu DHA 5%. Vous mettez une noisette sur du cuir chevelu sec pendant 5-10 minutes, puis ensuite vous lavez les cheveux. Moi, je le fais une à deux fois par semaine. Ça va permettre en fait d'éliminer les cellules mortes. Là-dedans, vous avez 95% d'origine naturelle. C'est pas dégueu. Il faut quand même faire attention, hein. On n'a pas envie de se retrouver avec trop peu sur le caillou à 50 ans. Là, le shampoing Pyroctone Olamine 1%, extrait de jujubier. Ça me permet de calmer mes démangeaisons et de réduire drastiquement mes pellicules. En termes de sérum, vous avez pour les cheveux secs le traitement cuir chevelu Bisabol 1% plus extrait de coton, pellicule grasse comme les miennes, traitement cuir chevelu zinc PCA 4% plus extrait d'ortie. On pousse mémé dans les orgies et nos cheveux dans les orties. En fait, ça va réduire la production de sébum et purifier le cuir chevelu. Je veux faire un aparté hors cheveux. Je suis amoureux de ce gel douche. C'est l'huile de douche vitamine E plus F avec l'amande amère. Oh là 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 là, Seigneur Dieu, j'ai envie de le croquer. Et si vous utilisez mes liens, dès 35 euros d'achat, vous allez pouvoir avoir un gommage visage régénérant au squalane d'olive bio qui est gratuit. Cette offre, elle est valable jusqu'au 31 juillet. Donc profitez-en. Bon, maintenant, on passe à l'ouverture des colis. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Noltono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais ouvrir vos colis. Voilà, parce qu'apparemment j'adore recevoir des cadeaux. J'espère que vous m'avez acheté des trucs de fifou, des trucs de luxe, comme ça, ça m'évite de me les acheter moi-même. Non, bien entendu, j'espère que vous n'avez pas dépensé sans compter et vous m'avez ramené, je sais pas, moi un rouleau de PQ de chez vous, je serais déjà content. C'est le geste qui compte. Bon, le rouleau de PQ, je serais un peu gênée quand même. J'espère que vous m'avez pas envoyé des trucs gênants. Je crève de chaud, je n'en peux plus. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de m'habiller en Carlos. Je me suis dit, ça va faire un petit peu, je sais pas, de peps. Surtout qu'en plus, je sais plus, j'ai perdu la boule. Oh, quelle chaleur. Par contre, vous allez voir. En fait, je me suis fait livrer pour pas que vous ayez mon adresse, parce que bon, les petits malins pour venir devant chez moi, je vous connais, hein. J'ai créé une boîte postale où, en fait, vous pouvez m'envoyer vos colis. Et du coup, ils m'ont tout envoyé d'un coup. La boîte postale, elle est d'ailleurs, elle est à Annecy. Enfin, genre, elle est de l'autre côté du globe. Elle est pas du tout vers chez moi. J'ai dépensé, mais une somme astronomique pour faire envoyer chez moi. Ça revenait très cher. Donc, je leur ai dit, non, les gousses d'ail, vous allez me mettre tout ça dans un même carton. Donc, regardez, il y a un carton déjà comme ça. Je sais pas, il y a peut-être une peinture. Je sais pas, il y a peut-être Picasso qui m'a envoyé un truc. Si ça vaut des millions, je tiens à vous le dire, je suis désolée, je ne garderai pas votre cadeau. Je le vendrai. Et puis là, il y a plein de colis là-dedans, sa race. Alors, oh putain, pourquoi j'ai soulevé ça? Et je suis pas la boule dans Fort Boyard, j'ai pas de force. Bon. Allez, on y va. On ouvre les colis. C'est chaud. Vraiment, c'est Aqualand dans le slip. Je vais m'en tailler, moi, ça va être vite fait, cette histoire. Wow, mais ça rabat. Oh là 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 là, je vais être gâtée, j'ai l'impression que c'est Noël. On peut pas faire une vidéo par mois, genre Nolito reçoit les colis. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est trop mignon. C'est, il y a un timbre bulldog. Oh non, mais je suis émue. Genre, j'aurais pas pensé qu'on allait m'envoyer autant. Mais là, j'y suis jusqu'à demain, en fait, ici. Oh, je vais ouvrir des colis toute la matinée, mais c'est un bonheur. À lire hors caméra. Ok, bon ben je le lirai hors caméra. Voilà, ben, tout simplement, ferme ta gueule. Moi des fois je dis des trucs inutiles. Je vérifie, je sais pas si vous aussi ça vous le fait quand vous recevez des cadeaux pour vos anniversaires ou Noël. Quand vous avez une, je sais pas, une carte, genre avec joyeux Noël avec un petit mot. On vérifie toujours s'il y a pas un chèque caché dans la lettre, dans l'enveloppe. Gryffondor. Oh, c'est un truc Harry Potter. C'est fait mais ça, non? Oh non, c'est trop mignon. Eh bien, écoutez, si jamais ça vous plaît, ça, elle a un compte Instagram où elle a créé ses petites créations. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir des porte-clés comme ça, c'est trop mignon. Je suis. Dans quoi je vais mettre mes cadeaux? Je vais mettre mes cadeaux dans un petit sac. Les lettres, écoutez, je les lirai seule, hein, parce que là, si on commence, je pense qu'il y a des choses intimes. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, j'appuie tellement fort que je vais tout casser. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tiens, mais c'est pas pour toi, ma chérie. Viens dire bonjour à la caméra. Ouh, que t'es lourde. Je suis sûre que là-dedans, s'il n'y a pas un cadeau pour Pamela, je me coupe une couille. Ça commence, c'est bien. Je rêve ou c'est un collier nuggets? C'est un collier nuggets? Putain, j'ai vraiment la meilleure des communautés. Mais les gens sont ravagés au point de m'acheter un collier nuggets, s'il vous plaît. J'ai fait maintenant, voilà que j'ai envie de manger la nuggets. Ah, mais attendez, vous croyez que je vais pas le mettre? Un collier nuggets? Oh putain, j'ai plus les mots. Merci beaucoup, je vois pas comment tu t'appelles. Merci beaucoup pour le collier nuggets.
Ça me va bien, hein. Ouh, c'est toute une organisation. Alors, on continue. Non, mais... C'était sûr qu'on allait rivaliser ma relation de couple avec Adrien. Je vous mets pas Adrien en photo parce que sinon je vais être démonétisée. Bon, déjà, ça commence avec une capote Harry Potter. Tu veux voir ma baguette? Elle est magique. Ah, merci Catherine. Voici un petit objet pour ta vidéo YouTube. Ce sera à la hauteur de ta grande connerie légendaire. Mais c'est pas ça le pire. C'est ça le pire. J'ai un ouf-bit. Mallorca, Mallorca, c'est bien, ça me fait voyager. Voilà ma communauté. Des nuggets, une bite, enfin bref. On adore, merci beaucoup. Je mets ça dans mon sac à cadeau. Hop, la capote aussi. Quoique la capote, je pourrais la mettre dans mon portefeuille. Coquinou. Enculé. Allez. Ah, j'ai pas de patience, désolé. Je vais lire la petite lettre. Bah oui, j'ai envie de regarder les cadeaux d'abord, mais vous savez, c'est comme aux anniversaires ou Noël. On fait genre de lire la lettre. On veut savoir ce qu'il y a dedans, mais enfin bon. Je m'appelle Alex et je viens du Canada. T'as pas envoyé ça du Canada parce que t'as dû payer plein pot, mon pauvre, hein. Ça vient du Canada. Oh, il est fou. Merci beaucoup, Alex. Ça me touche énormément. Je vais les garder, les petites lettres aussi. Je vais les mettre là en souvenir. En fait, j'adore ouvrir les colis avec vous, mais je suis en même temps très gênée parce que je me dis, là, t'es en train de profiter de tes abonnés. Mais c'est magnifique. Slytherin. Oh, il y a une plume avec de l'or. Mais c'est magnifique, j'ai toujours rêvé d'avoir une plume comme ça. Ouais, je vérifie si dessous il m'a pas mis un petit billet quand même, hein. On sait jamais. Ah, je vais mettre à chialer au bout d'un moment, c'est sûr. Je commence déjà à avoir les larmes, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Désolée, Pamela, pour l'instant c'est pas pour toi. Nana, niquener. Qu'est-ce que donc que ça? Waouh, putain, le vif d'or. Je l'ai vu sur un site et j'étais à deux doigts de l'acheter pour le mettre en déco. Ah ben c'est chose faite. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a là? Pour ta maman, c'est bien ce que je me disais. Une chouette. Oh là 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 là, c'est trop beau. Et ça, c'est quoi? Magnette Kung-Fu Panda. Je vais avoir un frigo dans un état. Regardez ça, c'est beaucoup trop mignon. Merci beaucoup. Mais il faut pas, moi je vous ai dit, vous me donnez des trucs de chez vous. Vous achetez pas des trucs là. Là, c'est de Dorothée. Oh là là, c'est encore des trucs Harry Potter. Mais en fait, les gens, ils savent que j'aime Harry Potter. Oh merde, j'ai coupé la lettre. Elle m'a fait un joli zizi. Vraiment, moi, c'est Nugget, Zizi, Harry Potter quoi. Les dessins sont très recherchés. Bravo. Là, on peut aller aux Beaux-Arts. Ron Weasley et Harry Potter. C'est trop mignon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de Max. Oh là, Pamela, je t'avais dit que t'allais avoir des cadeaux. Mais c'est sûr, et elle attend. Elle attend la coquine. Oh merde, ça a arraché un bout du message. Attendez, je suis en train de faire un puzzle là. Merci beaucoup, Max, ça fait super plaisir. Une belle petite laisse pour Mamselle Pam. T'es contente? Dis à la caméra que t'es contente. C'est pour toi, la laisse. Avec des petites étoiles, parce que tu es l'étoile de ma vie. Violent, violent. Donc, apparemment, j'ai une gueule dégueulasse, parce qu'on m'envoie des masques. Des masques? Encore des masques? Des stickers arc-en-ciel. Très beau message. Pour les lèvres. En fait, là, je me refais toute la façade. Je te remercie. Je vais ressortir de là. Je vais perdre 10 ans d'âge. Oh, il m'a fait une petite truc, Pamela, avec des petits strass. C'est tout mignon. On va ouvrir des choses plus grosses. Louane et Virginie. De Marseille, ça vient. Par contre, vous avez mis du scotch en long, en large et en travers. Comment j'arrive à ouvrir ça, moi je vois pas où est l'entrée là. Oh là 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 là, mais il y a 6 couches quoi. Là j'en chie, hein. Je tiens à vous dire, en plus ça me fait suer cette histoire, hein. Ça détient quoi, une bombe nucléaire? Imaginez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une bombe ou un truc comme ça là-dedans. Bah je vais moins rigoler, hein. J'y arrive pas. Ah, j'ai l'impression d'être Meredith Grey en train d'enlever les points de suture d'un macabé là. Là j'en chie, hein. Oh. Oh. On y est, c'est bon. Alors c'est un cadeau pour Pam Pam et pour ma table de jardin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là... Oh non, ça fait du bruit. Là, on est perdu. Amuse-toi bien avec ton nouveau jouet et fais bien chier nos litos. Ben voilà. J'ose pas montrer mon cul à la caméra, ça se trouve, je suis de l'arrêt, les gars. Tiens, prends-le. Allez. Et tu peux lever un petit peu ton cul quand même pour le récupérer. Allez, tiens, Pam Pam. Ben voilà. Tu vas me faire chier avec ce jouet, c'est sûr. Ouais. Là, je suis foutu. Je vous remercie pas avec des cadeaux comme ça. Parce que là, les jouets qui font du bruit, c'est une horreur. Mes gousses d'ail. Oh non, c'est trop mignon. Un petit bracelet, mes gousses d'ail. C'est quoi ça? Un truc avec un cachet là-dedans. Protect and care. J'ai peur, j'ose pas l'ouvrir. Et ça, c'est des pots à ketchup, à moutarde et tout pour l'extérieur. Oh, c'est. D'accord. Oh non, c'est trop mime. C'est beaucoup trop mignon. J'adore, je suis trop fan. Ben merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors tes tombrelles là, je vais peut-être la prendre pour aller chez la psy là tout à l'heure vu la chaleur. Vous avez entendu? Ça y est, ça commence. Olivia, allez Olivia, j'ouvre ton colis. Oh non, il y a encore trop de plastique. Oh, tu sais quoi? Faut être malin. Voilà, on va passer par derrière. Hop. C'est pas malin ça? Oula,
Oh, il y a plein de trucs là. Oh, c'est super bien, c'est des jouets, je vais pouvoir faire des TikTok avec. Water Reveal, Magie, Glow. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une tentacule de pieuvre. Oh là. Et c'est quoi ça? Là, ça part en couille cette histoire. Merci, Jacques et Mich. C'est quoi ça? Eh, franchement, les gens qui me connaissent pas, ils arrivent, ils voient des trucs avec des wings et tout. Ils vont se dire, mais il a quel âge ce type? En fait, elle m'a envoyé tous les trucs qui lui restaient de chez elle qu'elle utilisait pas. J'adore, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Je vois, il y a des bouts de tatouage. Oh, un joli bracelet. Des petits trucs étoiles. C'est super bien ça pour mes réseaux sociaux. Ça me donne déjà des idées. Là, je pourrais faire des TikTok avec ça. Merci beaucoup. C'est super sympa. Ça, je sais pas si c'était à ton chien ou si tu l'as volé dans la chambre de tes parents. Mais je tiens à te dire que tes parents sont pas très catholiques. Noémie, on ouvre ton colis. J'étais en train de me gratter l'oreille. Je suis vraiment un porc-cou, moi. Ah, il y a pas beaucoup de scotch. Noémie, elle a fait un effort. Oui, mais c'est pas pour autant que ça s'ouvre. Ah oui, c'est collé. Oh non, ça a été envoyé cassé. Bichette, elle a dû prendre un temps monstrueux à faire. J'ose même pas l'ouvrir. Ils ont dû faire n'importe comment avec le colis, Bichette. Oh non, c'était sur Harry Potter. Oh, il est dans un état. Tout est cassé. Putain, ça avait l'air super joli en plus. Ah, je suis dégoûtée. Non, mais franchement, je suis désolée pour toi. Écoute, je vais aller voir ton Insta. J'irai voir ton Insta. Je le marque quand même s'il y en a qui veulent voir un peu ses créations. On y va. On va ouvrir ton colis qui est ultra scotché, Virginie. Virginie, c'est pas possible. Voilà. Oh, Pamela! Alors, déjà, il y a un truc pour les chats. Ça, je suis foutue. J'ai même pas besoin de m'amuser avec le bâton. Ils s'amusent tout seuls. Ils prennent le bâton à deux. Enfin, bref, ils sont très intelligents, mes chats. Gros bisous de Eva, I love you. Et de Shanna. Ah, il y a plusieurs personnes. Ok, ben merci beaucoup, Eva et Shanna. Oh là là, Pamela! Après, elle est pourrie gâtée, cette chienne. Et après, elle me respecte plus. Tu peux prendre. Et voilà, elle a des jouets partout. Vous faites des heureux, hein. Oh non, celui-là aussi fait du bruit. Oh là là, mes chats, ouais. Bon, mes chats, je peux pas leur montrer, ils sont en vadrouille, là. Qu'est-ce que c'est pour moi? Ah non, c'est pour chien. C'est des os, hein, avec du poulet autour. Oh, du miel! Eh, vous retenez vraiment les choses? Non, Pamela, ça va, elle vient encore demander des cadeaux, celle-là. C'est du vrai. Je vais me calmer. Ah bah, merci beaucoup. Franchement, vous êtes hyper attentionnés parce que quand je reçois vos cadeaux, on voit vraiment que vous me suivez, quoi. Genre, vous regardez mon contenu vraiment assidûment. Parce que le miel, j'en parle pas toutes les vidéos. Bon, Pamela, on la voit partout, donc c'est sûr que les cadeaux de Pamela et les chats, c'est facile. Oh, une belle petite bougie. Je voulais trop t'envoyer un truc, mais je savais pas quoi, alors une petite bougie. Bah écoute, c'est l'intention qui compte, moi, ça fait plaisir. C'est l'intention qui compte, m'entendez-le, genre. Bah écoute, je suis un peu déçue, c'est une bougie, mais c'est l'intention qui compte. Non, je rigole. Bien entendu, mais merci beaucoup, hein. Y a jamais assez de bougies dans une maison. Non, en fait, je vous avoue, j'ai vu marquer Clara. Je me suis dit, putain, ça y est, on m'envoie des... Pamela, c'est l'excellent. J'ai vu marquer Clara, je me suis dit, oh, putain, ça y est, je commence à recevoir des cadeaux du Turfu. J'ai vu la bougie d'un, je vous avoue, j'étais un peu déçue. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas trop, hein, mais... Allez, pour que tu aies des abdos quelques heures dans la journée. Marie et Camille. Merci, Marie et Camille. Oh, c'est très drôle, parce que ma mère s'est acheté le même la semaine dernière. Donc, c'est trop drôle, on aura le même. Eh ben, merci beaucoup. En fait, c'est pas à mettre sur moi, c'est plutôt à mater. J'ai pas envie de le mettre, j'ai plutôt envie d'être comme ça. Pour tous les connards de ma vie qui ressemblaient à des têtes de thon et à des corps de crevisse et qui faisaient les beaux, j'aurais dû leur mettre ça. Au moins, ils auraient été beaux, au moins de l'extérieur. Parce que l'intérieur, c'était pas trop ça. C'est quoi ça? Il y a du Toblerone là-dedans ou quoi? Son triangle. Le Toblerone, c'est quelque chose. Hein. Vous savez, j'en mange pas. Parce que sinon, je meurs. Ça va me péter à la gueule. Putain, j'ai eu peur. Oh, c'est joli. Allez, on continue. C'est quoi ça? C'est des boules de Noël? Ou c'est carrément les boules du Père Noël? Vous avez vu, je commence à prendre la main. Voilà. Oh! Ah, ça fait pas de bruit. Bon, là, je vais pas lui donner tous les jouets parce que là, ça devient la caverne d'Ali Baba dans la maison. Enfin, on a l'impression vraiment que j'ai un chenil, hein. Il y a trop de jouets partout. C'est quoi, ça? Masque encore. Super. Merci beaucoup, Sacha. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, j'ai toujours pas mon sac Chanel. Je rigole, j'en ai la foutre, moi, du sac Chanel. Non, mais Pamela, c'est pas... Mais toi, t'attends les cadeaux toutes les deux secondes, en fait. Ça suffit. Non, c'est bon, là. Aïe, 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 j'ai réveillé le monstre. Non, il s'est rien passé, Pamela. Non, non. Bon, allez, je te le donne. Hey, bon appétit, bébé. Oh non, mais ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. Merci beaucoup, Nathan, merci beaucoup. Oh, c'est joli, ça. Ah, je vais tout casser. Oh, c'est tout mignon, regardez. Ça, c'est une créatrice, ça, ça se voit. Eh, vraiment, vous avez des idées dans l'air. J'adore, hein, vraiment. Ah, c'est pas cassé. Oh, ma mère, ça va lui plaire, ça. C'est trop joli. C'est une raquette? Ou c'est un dessous de table? Eh, moi, je suis un peu nulle, hein. Je suis pas réfléchie, hein. Oh là 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 là, trop mignon. Merci beaucoup. C'est vraiment trop joli. J'adore. Suivant. C'est un petit porte-clés, ça, c'est mignon. Pour tes enfants. Mes animaux? C'est pour mes animaux. Non, j'ai pas donné ça à mes animaux. Ils vont le bouffer. Oh, la merde. La merde arc-en-ciel.
Oh, ça sent bon. Merci beaucoup, Jade. C'est trop mignon. J'adore ça, je donne pas à Pamela. Hein, merde. Moi aussi, je veux des cadeaux. Merde, vous donnez qu'à Pamela, là. Oh là là, il y a un magnifique dessin. Eh bien, c'est tellement bien dessiné que j'arrive à savoir. Je suis là. Là, c'est Pamela. Et là, c'est mes chats, Simone et Serge. Tu les as très bien fait parce que les deux se ressemblent tellement qu'on n'arrive pas à les différencier, là. Mais je dirais que la plus petite, là, c'est Simone. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Bellissima, on dirait moi quand je fais du patinage. Seulement, généralement, j'ai les quatre fers en l'air. La dernière fois, j'ai failli me péter le côlon. J'ai fait une figure. Je suis sûre que même quand Deloro, il aurait fait waouh, c'est magnifique. C'est très joli, j'adore. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans ce truc là. Énorme, on va l'ouvrir ensemble. Bah, de toute façon, c'est le but de la vidéo que je l'ouvre avec vous. Donc, je suis un peu con moi. Oh, j'ai des artistes dans mes abonnés. Non, mais regardez ça. Et ça, j'ai intérêt à y prendre soin. Imagine, tu deviens un ou une artiste accompli. Ça se vendra peut-être des millions ce truc. Bien entendu que je vais le garder. Je t'offre une petite peinture de ta chère Pamela. J'ai un compte pro sur Insta où je fais de la peinture et je viens de lancer ma marque de Bob. Merci beaucoup, Emma. Bon, j'ouvre ces deux colis-là et après, on fera une deuxième vidéo si ça vous plaît. Parce que sinon, là, franchement, on y est jusqu'à demain. Vous m'avez trop gâté. Et le pire, c'est qu'en fait, sur le site, j'avais l'impression que j'avais pas reçu beaucoup de colis. Et je me suis dit, bah, la vidéo, elle va durer 2 minutes en fait. Et en fait, pas du tout. Il y a au moins 40 colis, quoi. Merci beaucoup. C'est hyper touchant de voir que vous êtes fait chier à faire des colis, quoi. Est-ce que moi, je me serais fait chier? Je suis pas sûre, hein. Ah, je me suis scotché le doigt. Oh, c'est super beau. Ah, oh, j'adore. Ça, dans ma chambre d'amis, ça va faire sensation. Faudra que je les rajoute. Il faut que je trouve quelqu'un pour les mettre. Parce que moi, si je les mets, ils sont bancals comme ça, les trucs. Ça va ressembler à ça. Va avoir une tête. Merci beaucoup. Le dernier. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup, Alicia et Benjamin. Parce que là, je vois qu'on est gâtés. Ballon animal. Ah, oh, mais c'est super ça encore pour mes vidéos YouTube. Oh là 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 là. Une trousse banane. Non, mais j'adore. Oh, putain, je voulais l'acheter, ça. Je l'ai jamais reçu. Je l'ai même acheté, j'ai jamais reçu. Ça, c'est un truc pour la brosse à dents. Non, mais franchement. Oh, un massage. Vas-y, on va tester ça de ce pas. Ah merde, il faut mettre des piles. For lazy coffee lovers. Je bois pas de café. Mais je ferai un chocolat au lait là-dedans. D'accord, j'ai compris. En fait, tu mets des piles et tu fais tourner et comme ça, ça remue ton café. Mais même pour mon chocolat au lait, c'est super bien ça. Au lieu d'être avec la cuillère et tout. Oh, des chaussettes arc-en-ciel. Oh, j'adore, je suis fan. Elles sont trop belles. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux. Vraiment, ça me touche énormément. Si jamais, parce qu'on n'a jamais assez de cadeaux. Si jamais vous avez envie d'envoyer, mais envoyez des trucs de chez vous. N'allez pas acheter. Genre, n'achetez pas des trucs. Ce qui est drôle, c'est d'ouvrir avec vous, faire un déballage colis et rigoler ensemble et tout. Mais le truc, c'est pas non plus de débourser de l'argent pour moi. À la limite, regardez mes publicités YouTube si vous voulez. Mais ne dépensez pas de l'argent pour moi. Je suis beaucoup trop gênée, mais c'est hyper mignon. Mais si jamais vous avez envie d'envoyer des colis, n'hésitez pas ici. Vous pouvez envoyer des colis. Je suis désolée pour les autres. Je les ouvrirai pour une vidéo 2 si ça vous intéresse. Sinon, j'ouvrirai de mon côté les colis si ça vous plaît pas. Vous me dites en commentaire si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo. Du coup, merci énormément. Ça fait super plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir tout ce soutien et ce remerciement. J'ai lu quelques lettres. Je vais en lire d'autres. C'est beau. Merci beaucoup. Voilà, je sais plus trop quoi dire. Donc, je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. J'allais oublier l'info importante. Si jamais vous avez envie de tester Typologie, vous avez tous mes liens en barre d'infos. Et grâce à ces liens, ça vous permet en fait d'obtenir dès 35 euros d'achat un gommage visage au squalane d'olive bio. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.